Est-ce qu'on regarderait plutôt les jeux vidéo? Parce que Quentin, il faut savoir qu'il aime bien les jeux vidéo et il n'en a qu'à Noël et son anniversaire. Oui. Eh ouais. Donc c'est l'occasion jamais dû en et prendre un. C'est moi qui avais offert des jeux vidéo. D'ailleurs, c'est toi qui avais déjà offert. Ouais. Avant. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi. Alors on va faire un tour au jeu de société parce qu'on prend bien et puis après on va aller voir du côté des jeux vidéo. Peut-être dans un autre magasin parce qu'ici ils en ont pas. Là on s'est un petit peu perdu, on n'a pas trouvé les jeux de société encore. Là on est au rayon des jeux d'extérieur et on a trouvé la voiture électrique de Corentin qui est là-haut. Et là, Corentin, regardez ce qu'on a. Il a cette voiture électrique. Qu'est-ce que tu as vu? Oh, wow, il est super gros. Oh. Mais je pense pas que ce soit dans mon budget. Hein. On demandera plutôt ça au Père Noël, non? Tu crois pas? Il y a une ceinture. Là, on est en train de faire tout le. Essaye de vendre le. Non, le loot. C'est pas dans mon budget. C'est un peu cher là. Voilà. Je crois qu'on va retourner au rayon des jeux de société. Hein. Enfin, si on trouve. Et on peut mettre ses gourdes, à mon avis, ou ses doudous. Ah oui, trop bien. Bon, allez, au rayon de jeux de société. Hein. Ça y est, les loulous, on sort du magasin de jouets. Donc, on n'a pas trouvé les jeux de société, hein, louloute. C'était trop pour les petits, il y avait des puzzles, enfin, il n'y avait pas ce qu'on voulait. Donc là, on va dans un autre magasin. On va où, louloute? À la grande récré. Non, on va chez Cultura. Déjà, là, on était chez Jouet Club. Là, on va chez Cultura et après, on ira faire un saut à la grande récré pour voir si on trouve le jeu de société qu'on voulait pour Corentin, d'accord? Il est où, il est où, Cultura? Ah ah, il est là, il est tout bleu. C'est là? On y est. Bon, bah, on va rentrer, les loulous, et puis on va voir si on trouve des jeux comment? Des jeux vidéo? Eh ouais, des jeux vidéo. Allez, c'est parti. Ça y est, on est chez Cultura, on est rentré. Donc là, il y a plein de livres. Donc on va faire un tour au livre, peut-être. On peut voir des trucs, s'il y a des trucs sur Minecraft, parce qu'on aime bien Minecraft. Et puis après, go, les jeux vidéo. D'accord, louloute? Oui. Oui. Est-ce que tu sais à peu près ce que tu veux prendre? Non, ça va te donner des idées peut-être de faire le tour du magasin. Là, on est au rayon des livres. Alors, là, il y a des BD. Quentin aime bien les bandes dessinées aussi. Il a commencé il n'y a pas longtemps. Oh, chouette, Mickey. Ça, c'est pour moi, ça. L'océan perdu. Oh, il a l'air trop bien. Alors ça, moi, j'adore l'univers Disney. Wow, mais bon, c'est passé mon anniversaire, moi. Tant pis. Sniff, sniff. Faudra attendre maintenant. Oh, il a l'air trop beau. Les illustrations sont trop belle, les amis. Oh, il est magnifique. Vraiment magnifique. Attends, je vais voir. Wow. Regardez ces illustrations. Elles sont trop belles. Je crois que je vais craquer. Mmh. On a trouvé les arioles. Quentin regardait beaucoup ça quand il était petit. Arioles, hein, louloute? Toi aussi, d'ailleurs. Et puis là, on a quoi? Boule et Bille. Maman, elle a vu tous les Boule et Bille quand elle était petite aussi. J'adore ça. Et puis bah après, et là, ça fait un puzzle. Ça fait un puzzle. Et oui, quand on met toutes les BD les unes à côté des autres, ça fait un puzzle. Et oui, et on voit Boule et Bille avec la tortue Caroline. Là, il y a un petit oiseau, ouais. Regarde, on a encore Boule et Bille. On a plein de BD. Corentin a commencé aussi la collection des Skylanders en bande dessinée. Alors, je ne sais pas s'il y en a là. On les avait trouvés ici la dernière fois. Est-ce que tu vois Skylanders, non, mais en tout cas, je vois. Oh, regarde ce que j'ai trouvé là. Ah ah, regarde. Waouh, tu étais bien caché. Hein. Super Mario Aventure. Ouh, ça pourrait plaire à Corentin, hein, ça. Waouh. En plus, c'est pas. C'est très. Non, je vais. Ah, fais voir. C'est une BD ou c'est un livre? Ah, je sais pas. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre... C'est une bande dessinée. Une bande dessinée, Mario. Waouh. Waouh. Alors ça, je crois que ça plairait à Corentin. Waouh, trop bien. Une BD Mario, dis donc. Avec Bowser. Oh,
Ouais, je crois que ça peut lui plaire. Ça lui plairait, ça, Rosiane, tu crois? Attendez, on va le regarder comme ça. Ah, Rosiane, elle va regarder tout le livre. Alors, est-ce que tu crois que ça lui plairait? Oui. Oui? Wow, trop trop bien les amis. Je sais pas si vous connaissez, bah dites-nous aussi dans les commentaires si vous connaissez cette BD. J'ai vu Princesse Peach. Princesse Peach? Oh. Non, ce qui m'intéresse c'est plutôt Princesse Peach. Ah bah oui, forcément c'est la princesse qui t'intéresse. Hein. Mais en tout cas, à mon avis, il est, il est trop beau ce livre. Puis les cartes Pokémon, cartes Yu-Gi-Oh. Donc là, on a le super coffret engloutir en GX. Il y a quelqu'un qui joue de la musique à côté, vous devez entendre, les amis. On a aussi un autre coffret Pokémon qui est le coffret cœur de champion qui a l'air juste trop trop bien. Alors, je sais pas si on va y prendre un coffret, je suis pas encore sûre du truc. Océane, tu sais si on va prendre des Pokémon à Corentin ou pas? Non, tu sais pas. Les jeux vidéo, ils sont où alors? Tu m'aides à les trouver parce que là on a trouvé. C'est soit Julie Banyan dedans ou soit lui. Oh, trop bien. Nous on a trouvé déjà les jeux de la DS, 3DS, 2DS. Mais nous, on a une Switch et une Wii U. Donc c'est pas ici. Où sont les jeux de Wii U? Tu les trouves? Ou de Switch? Ah, ici il y a tous les accessoires avec les amiibo. Là. Corentin en a une déjà, de pochette pour Mario. Il a déjà des cache-boutons. Ouais, tout ça, c'est les accessoires. Et les jeux, ils sont. Mais ils sont là, Loulou, regarde. Une tasse, un mug Mario. Un mug Mario. Waouh, trop beau. Ouais, trop trop beau. Ouais, elle est jolie. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais. Et là, pour le moment, il boit dans une tasse Link, les amis. Et là, non, regardez, ils sont là mug, où les jeux. Il boit dans un mug. Oui, dans un mug. Oui. Regardez, ils sont là tous les jeux en fait. Alors là, on a quoi? On a une Mario Odyssey, on l'a, One Two Switch, on l'a, Splatoon. Mais il n'y a rien. Des manettes. Regardez, avec tous aussi. Les jeux, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Comment, Louloute? À mon avis, c'est un prank. Ah oui, non, mais il n'y a rien dedans. C'est normal parce qu'il y a des gens bah, qui les volent malheureusement. Donc ils ne les mettent pas dans les boîtes. Eh non. Elles sont vides, les boîtes. Eh oui, ma Louloute. Ça elles fait. Sont vides. Alors regarde tous les jeux de vidéo qu'il y a, les jeux de société j'allais dire. Alors là on a Ars, Mario contre les lapins crétins, Ninjago le film, Pokémon le grand tournoi, Mario Odyssey, Link. Alors Corentin ou les Zelda, celui-ci, mais je pense qu'il est un peu trop dur pour lui encore. Il est encore petit et c'est un Peggy 12 et Corentin n'a pas 12 ans. Il n'aura que 8 ans, donc attention aux Peggy les enfants, donc je ne lui prendrai pas parce que c'est pas pour son âge. Ensuite, on a des petits coffrets. Waouh! Waouh, un jeu d'échecs Pokémon! Pas Pokémon, Mario, n'importe quoi. Trop beau, Corentin adore jouer aux échecs en plus. Il est trop, trop beau. Regardez les pions, les amis, ce sont des pions collector. Tu veux voir derrière ce qu'il y a, Louloute? Elle est lourde. Ça, c'est un super cadeau, je pense. Elle est en métal. Hein. Elle est en métal, ouais, la boîte. Waouh, regardez le playset complet. Il y a des pièces là. Trop beau. Les pions, ce sont des pièces. Et pour les méchants, et ben, ce sont des carapaces de tortue. Il a l'air trop trop beau. Bon, je sais pas si on va lui prendre ça. On va réfléchir puis on va regarder un peu les jeux vidéo, d'accord? Zen, qu'est-ce que tu as trouvé? Minecraft. Minecraft. Minecraft sur Wii U édition. Mais il n'y a rien dedans. Bah, c'est normal parce que c'est pour pas qu'on voit les CD, Louloute. Alors fais voir ça un peu. Il n'y a rien dans les CD. Alors peut-être que ça peut faire très plaisir à Corentin parce qu'il adore Minecraft. En plus je savais pas que ça existait sur Wii U. Et donc c'est là, ici. Il y a même, oh, il y a même un DLC Super Mario. Wow, donc il y a tout un univers Super Mario à l'intérieur. Ah, pas mal ça, pas mal. Est-ce qu'on va le prendre, tu crois? Non, parce que Corentin l'a déjà, à mon avis. Et non, il n'a pas Minecraft, ah, oui. Il l'a que sur mon téléphone. Oui, mais on ne peut pas le trouver. Où on le trouve, en fait? Eh bien, on le trouve qu'en magasin de jeux vidéo, comme là. Eh ouais. Donc alors, est-ce qu'on le prend ou pas? Oui. Oui, bah oui, on va le prendre. Allez, prends le map, peut-être. Et puis, on va prendre un autre jeu vidéo sur la Switch. Mais par contre, ça, on ne vous dit pas ce qu'on prend, d'accord, Louloute? On va faire le petit mystère.
à trouver, les amis? Les mini Lego. Les mini Lego des Nano Blocks. Ah, ça, c'est chouette, ça. J'avais déjà vu aussi les enfants, les figurines de Mario, etc. sur Internet. Putain, ça, c'est trop chouette. Il y a 225 pièces là-dedans, vous imaginez? Non, 110 pièces, pardon, là-dedans. Vous imaginez? C'est tout petit. Regardez ma main à côté. C'est tout petit, hein. Bonhomme de neige, un petit dinosaure, un petit saxophone. C'est chouette, ça. Une licorne. Une licorne. Je peux la voir. Ouh, ça, à mon avis, ma loulou, c'est trop compliqué pour toi. C'est pour les plus grands, ça. T'as pas un âge dessus? Bon, on va voir. Mais bon, on est venu pour l'anniversaire de ton frère, pas pour toi. Ouais. C'est marqué à partir de 12 ans. Je pense que c'est trop compliqué pour toi, chérie. Hein? On va à la caisse? Ouais. Et puis on va voir dans un autre magasin si on trouve un jeu de société ou autre chose. Sinon, on verra sur Internet si on trouve pas tous les amis. Hein. Allez, bah je te suis alors. Les loulous, on a dû reprendre la voiture. Et puis maintenant, on se dirige en direction de la grande récré. Parce qu'Océane voulait prendre quoi, son frère? Un jeu de société, n'importe quoi. Alors bah là, on y va. C'est juste devant. C'est là. Let's go, let's go, let's go, let's go. Et puis là, c'est la sortie, donc on s'est trompé de porte. Et ici, on connaît bien, on a trouvé les jeux de société. On vient souvent ici, en fait. Et puis là, ils ont beaucoup, beaucoup de jeux de société. Donc, bah, écoutez, on va faire le tour. On va voir ce qu'il y a. Océane est déjà en train de fouiller partout, là. Et puis, bah, on va vraiment fouiller parce que Océane va acheter un jeu de société, mais elle ne sait pas lequel. Alors, celui-ci, on l'a. Five Face Duel, Super Duel. Pikmi sur le coup de la langue. Faut dire qu'on en a beaucoup des jeux de société. Hein. Tu sais quoi prendre, le loot? Non, il hein, y en a trop. Il hein. Y en a même encore derrière, regarde bien voir peut-être. Il y en a même tout là. Alors, je sais pas. On va voir ce qu'on va prendre. Il y en a trop. Oh, Yeti Spaghetti, regarde Océane. Bon, ça, Burki Snacky, on l'a. Bon. Va falloir qu'on fasse notre choix. Hein. Ouais. Hein. On va pas dormir là, quand même. Louloute, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches plus les jouets pour ton frère? Non. On a tout trouvé, je crois. Ouais, on a tout trouvé, les amis. Alors, bah écoutez, on va vous laisser. On a trouvé le jeu de société que Océane voulait. Là, elle est en train de tester des jouets. Bon, ben, on va la laisser jouer. On espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit moment qu'on a partagé avec vous. L'anniversaire de Corentin, le préparatif en fait de l'anniversaire, c'est bientôt. On va aller emballer tout ça à la maison. On fait des gros bisous. Bien sûr, si vous avez aimé, dites-nous dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit... Ciao, ciao, ciao. Bisous les amis. Ciao, ciao.